il n'y a que la voix en fait. Il n'y a que ta personne et ta voix. Un poème, c'est vraiment un moment. C'est quelque chose qui est pris quelque part un peu en dehors du temps et qui existe pour lui-même, en lui-même. J'ai un peu le cœur à l'arrêt, j'attends l'horizon. Quand le temps bat la chamade à ce rythme d'horizon. Quand le temps bat. Je crois que j'ai découvert le spoken word à travers Sarah Kay, qui est la poète de spoken word, la plus connue, et puis celle qui a un peu lancé le mouvement aussi. Ça a été une grande influence dans le sens où je ne savais pas qu'on pouvait écrire comme ça, en fait. Et ça m'a montré que, bah, on peut complètement s'approprier la langue et qu'il n'y a pas de règles à suivre et que les règles, on peut les inventer soi-même. Et c'était une façon vivant d'approcher la poésie, qui est encore, bah, qui est très loin des récitations qu'on fait à l'école où c'est apprendre par cœur et puis réciter bien sagement, etc. Là, c'est faire vivre le texte et c'est pas juste le répéter pour que l'autre après, enfin voilà, fasse le travail derrière, mais c'est faire le travail soi de faire vivre le texte. And then you find yourself in the back of a cab. Your name is Nina Simone. You are holding the hand of your first love 40 years later. Your name is Nina Simone and you find yourself half saying, half screaming, half wheezing the words. But we're still alive. Yes, that is three halves. Your life has always been three halves. You have always overflowed and spilled on the neat dresses and neat costumes of the ones who have held you like a glass full of water in which they strain to see their own reflection instead of attempting to see you. You have always overflowed. You are not now about to stop, but we're still alive. And he nods and doesn't understand, and you can only watch as he turns. C'est des choses qui ne me sont jamais arrivées, moi, personnellement, ou qui ne sont même pas arrivées à des gens que je connais, mais c'est des conversations, des moments que j'imaginais, parce que j'ai toujours beaucoup aimé la rencontre et l'inattendu chez l'autre, et comment l'autre fait découvrir des choses en soi aussi. Je pense que justement il y a beaucoup le côté de vous voir les choses, de voir chaque chose comme si c'était la première fois qu'on la voyait, ou de ressentir chaque chose comme si c'était la première fois qu'on la ressentait, et de prendre le temps du coup de regarder, même si c'est des tout petites choses sur lesquelles on passerait normalement dans la vie de tous les jours parce qu'on n'a pas le temps, mais de prendre le temps au contraire et de remarquer, de voir et de remarquer. Parce que le monde est tellement fascinant quand on s'émerveille. Et pour moi, c'est ça qu'il faut savoir garder. Et c'est pas forcément toujours facile par rapport à l'environnement où on vit, où on est un peu poussé au pessimisme et au cynisme, etc. In a different life, you're 19, you're hiking a forest, in your backpack there is one book, two notebooks, one pen, one bottle of water, in that disorder, and there is also the 15-year-old you. From time to time, you look over your shoulder and you can see the outline of her sticking her head out at the back. Once or twice, your gaze crosses hers. You nod to the forest around you. You nod to your aloneness. You nod to your aliveness. You look at her again. You say, "We're doing it." She says, "Thank you for living my dream." You say, "Thank you for dreaming my life." You, thank you. And then you find yourself and everyone around you, and they are all complexly themselves, and you are all completely you, still alive. Can you feel it? This is your passion. If you have done things right and true, it will outlast you. Quelque part, j'ai le temps d'essayer, de faire des choses. Je ne sais pas du tout
ce que je me vois faire encore comme métier. Du tout. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais continuer à faire, qu'est-ce que j'ai laissé tomber ou pas, ou si je vais tout continuer, ou si je vais... Mais je pense que c'est le moment, en fait, d'essayer au maximum et de pas déjà s'enfermer dans quelque chose en se disant, ben voilà, c'est ça. Et toute ma vie, il faut que je fasse ça. Genre, j'aurais envie, en fait, de passer le plus de temps possible encore à explorer, autant dans les sens dont on en parlait, mais même géographiquement, en fait, de voyager, de m'installer un coup ici, un coup là-bas, et d'avoir cette liberté de mouvement-là. Quand le temps bat, le chemin de mon cœur applaudit. Quand le temps se fait mousse, mon cœur chavire aussi.